Yo les gars, c'est Jeffrey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 23 en club pro pour un petit nouveau concept que j'ai encore jamais vu sur YouTube en club pro. C'est vrai que c'est pas fou en même temps, je comprends que les gens ne savent pas ce qu'ils pensent à faire en premier, mais c'est tout simplement de faire des propositions de maillots, on va dire, de beaux maillots. Après, si ça plaît, tant mieux les gars, si ça plaît pas, c'est tant pis, je vais essayer de diversifier un petit peu les couleurs. Après, à vous de changer, libre à vous. C'est juste des propositions de temps en temps. Quand vous n'avez pas d'idée, autant vous venez sur cette vidéo et ça vous inspire, on va dire. Mais en tout cas, j'aime bien faire de nouveaux maillots. Donc, je pense qu'on va faire ouais, les 9 premiers déjà pour ce premier épisode. Après, si je vois que ça plaît, on continuera. Sinon, tant pis, les gars. C'est juste histoire de faire. Je me suis dit, hein, ça peut être pas mal. Comme concept, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous kiffez ce genre de concept et si vous aimez bien les maillots, surtout qu'est-ce que vous aurez fait vous. Et aussi, au passage, lâchez un petit like et vous abonner, les gars, ça ferait super plaisir. Et n'oubliez pas également d'activer la cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos et soutenir la chaîne comme il faut. Ça fait plaisir, merci d'avance à tous ceux qui le feront. On attaque tout de suite, les gars, donc je vais personnaliser celui-là et je vous le présente. Je vais partir sur ce style-là, donc avec du rouge en couleur principale. Comme je l'ai dit, c'est celle que je kiffe le plus, donc on va commencer par cette couleur. Après, j'essaierai de faire pour chaque maillot deux couleurs différentes des premières. De toute façon, vous voyez ce que ça donne cette couleur-là sur les 9 premiers maillots. Du coup, en vrai, vous n'avez pas besoin que je vous les montre tous. Donc, ça donne ça. J'ai hésité aussi, on peut faire en sponsor. Tout simplement, pourquoi pas en jaune vert, on va dire. Désolé les gars, je suis pas calé en couleur du tout. Je suis un petit peu daltonien, je pense, mais enfin ouais, vous avez capté, c'est du fluo. Au moins ça ressort un petit peu plus. Le logo Adidas, tout simplement. Donc pour ce premier choix, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Du coup, dites-moi vous ce que vous auriez plutôt mis comme couleur. Et on attaque le second maillot. Ok les gars, pour le second maillot, je suis parti sur du classique, mais qui est efficace. Le noir et blanc, là c'est plutôt blanc et noir, parce que c'est le blanc qu'on voit le plus sur le maillot. Et le noir sur le côté, je trouve que ça avait vraiment un effet très stylé, mais en restant vraiment très sobre. Dites-moi ce que vous en pensez, vous voyez également ce que ça donne sur les autres maillots. Mais je pense que ça claque plutôt plus sur celui-là. J'hésite avec du bleu mauve, on va dire. Mais finalement, je suis resté sur ma première idée. On dit toujours qu'il faut faire ce qu'on pense en premier. Donc, j'ai mis ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, pour ce troisième choix, les gars, je suis parti sur ça. On est resté sur le noir, mais cette fois-ci, je l'ai mis en couleur principale. Je trouve que c'est la seule qui allait bien en couleur du coup, principale, première sur ce maillot. Et je l'ai associé à du, ouais, on va dire mauve un petit peu, les gars. Pareil, hein, je suis un petit peu daltonien, mais de toute façon, vous voyez mieux que moi. Mais je trouve que ça rend bien mieux parce que là, vous voyez, c'est trop foncé. Mais comme ça, franchement, j'aime bien. J'ai laissé le logo Adidas en blanc pour qu'il ressorte mieux. Il ressortait pas assez. Je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Et pareil, le flocage, même couleur que la couleur secondaire. Vous voyez également ce que ça donne sur les autres maillots. C'est vrai que c'est pas mal non plus. Mais sur celui-là, c'est vrai que j'ai une petite préférence. Ok. Pour ce cinquième maillot, les gars, je suis parti dans des couleurs opposées. Enfin, je suis resté sur du bleu quand même en secondaire, mais j'ai mis du orange en couleur primaire. Je trouve qu'il rend vraiment pas mal. Voilà, je vous montre un petit peu tous les profils et vous les voyez également encore sur les autres. Donc, j'ai mis du bleu partout, même en tertiaire et numéro de maillot logique. Moi, j'aime bien. Vous me direz votre avis dans les commentaires. Pour le sixième, les gars, ouais. Opposé encore une fois avec du vert fluo, si je me trompe pas, hein, normalement oui, et du violet. Vraiment, j'ai mis le plus puissant pour que ça ressorte au mieux les deux couleurs. Je trouve qu'elles sont très complémentaires et que ça rend très bien. Je pense que sur le terrain aussi, vous devez avoir pas mal d'élégance. Donc, j'aime bien celui-là également. Et je pense aussi que c'est sur celui-ci que ça rend le mieux dans les 9 que vous voyez affichés à votre écran. Ok, les gars, je suis pas très fan de celui-ci, mais c'est ce que j'ai trouvé le mieux en termes de collaboration de couleurs qu'on n'avait pas fait encore. Un vert comme ça,
J'hésitais avec ça, mais je suis parti sur le vert avec un rouge un petit peu différent du premier, mais qui ressort assez bien. Après, on peut même mettre les numéros de maillot en blanc aussi. Au pire, derrière, ça ressort mieux. Mais je préfère en rouge, personnellement. Ok, pour celui-ci, les gars, je suis parti sur du bleu le plus foncé possible, avec du noir. Et en couleur tertiaire, j'ai mis ça du vert. Mais c'est vrai que même comme ça ressort pas mal. Vous voyez que là, la triple couleur, elle fait la diff. Et je trouve qu'il rend vraiment très très bien. Ok les gars, pour celui-ci, je suis parti sur du vert classique, comme ceci. Et pour compléter ça, j'ai mis, on va dire, ouais, du marron, si je me trompe pas. Donc je trouve que ça ressort plutôt bien, ça fait un petit peu un aspect forêt, on va dire, avec deux verts différents. Et pour compléter le tout, la couleur tertiaire en blanc, pour revenir sur du basique, et pas tout le temps mettre du jaune, mais je trouve que c'est beaucoup mieux le blanc sur celui-ci. Et enfin les gars, pour le dernier, celui-là je le trouve vraiment magnifique, du violet le plus foncé possible. Il y a celui-ci aussi qui est pas mal. Bon, ça se ressemble quasiment, c'est quasiment la même chose on va dire, mais on va mettre le plus foncé avec du rouge classique. Ça ressort super bien sur le violet, c'est vraiment un de mes combos favoris. Et en couleur tertiaire, je suis resté sur du blanc parce que ça ressort encore mieux avec. Je sais pas ce que vous en pensez. De toute façon, dites-moi dans les commentaires. Donc voilà, pour ces 9 premiers maillots, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous trouvez qui est mieux pour tel maillot. Hein. J'attends vos avis. Et surtout aussi, si le concept vous plaît, si vous voulez un épisode 2, au moins je sais que vous kiffez le concept et je vous refais ça dans les plus brefs délais. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici, que vous soyez intéressés ou non. J'espère que vous avez trouvé votre bonheur, ou en tout cas l'idée pour le faire. Merci à tous d'avoir regardé les gars, et moi je vous dis à la prochaine.